Salut à tous, c'est Placer, on est de retour sur Placer Gaming sur Twitch pour la suite du Let's Play sur Surviving Mars. Y'a plus qu'à, donc là on s'est arrêté la dernière fois, donc je me rappelle plus trop, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. On avait refait un approvisionnement en flotte, parce que si je me rappelle bien, j'avais plus d'eau. Voilà, là je suis de nouveau tranquille pendant un petit moment. De toute façon, là, l'objectif de cette partie, ça va être aussi de... Donc déjà, d'avancer le... la terraformation. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça avance plutôt bien. On avance bien, hein, beaucoup plus qu'au début. Et aussi, ça va surtout être de commencer à devenir autonome en flotte. Voilà. C'est pour ça que là, maintenant, mes lacs, je les remplis avec des vaporisateurs. Hein, donc ça me coûte un peu de métal. D'ailleurs, le métal, j'en ai presque plus. Donc le premier outil d'abord, c'est de résoudre ce problème-là, problème de métal. Voilà. Donc, pour ça, si je me rappelle bien, on avait commencé un dôme ici. Voilà. C'était ça. Là, je suis à 11,5. Mais ça va être insuffisant parce que il était déjà terminé, c'est ça. Donc, du coup, j'étais en train de préparer la suite. Et voilà, ici. Ok. Après, j'en ai encore un ici, au cas où. 712. Et j'en ai encore un ici, au cas où. Mais, normalement, si je me rappelle bien, j'avais fait une, voilà, une capture de météores pour avoir des météores en surface. Voilà, c'était ça. Ok, ok. Donc, lui, il est là. Lui, il est ici. Donc, on va le laisser là. Et lui, voilà, lui, il est en route pour... voilà, envoyer ici. Voilà. Hop, donc j'avais commencé le... Parce qu'en fait, ce dôme-là va disparaître. Une fois que j'aurai fini le gisement ici, le dôme, je shoot tout, en fait. Tout ce qui est là, je l'enlève. Parce que ça sert à rien de le garder. C'est un peu dommage pour ça, parce que, ben... Je vais peut-être laisser ça pour le béton, ici. On verra bien. Voilà, on va laisser tourner. Moi, si jamais j'ai oublié, il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, donc là, au niveau de la terraformation, on est bien. On était à 2% en eau. 2% en végétation. 27% en gaz à effet de serre. Et à 7% en atmosphère. C'était là, ici, hein, surtout. Voilà. Convertir de la roche stérile en CO2. Le problème, c'est que plus on fait ça, l'amélioration gagne la gravité des tempêtes de météores. Donc là, la tempête que je vais provoquer là, ça sera la dernière. Parce qu'après, je pourrais plus en faire. Et surtout, l'énergie des panneaux solaires qui diminue et aussi des oximes. Donc il faut que je fasse attention au niveau de mon air. Bon, au niveau de l'air, je suis tranquille. Normalement, je suis à 19. Mais c'est surtout au niveau de l'énergie que ça va être compliqué. Parce qu'automatiquement, plus l'atmosphère va être élevée, moins il y aura de... Ah, bah lui, il va plus. Hop. Ah, dépôt universel. Ça mettra juste le béton pour lui réparer ça. Ah, lui, il fait rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les... Alors, attention. Hop. Tout. Et je vais tout ramener ici.
Hop. Bon, ah si, alors du coup, je suis descendu à quasiment 300 colons. Je me sens que j'avais rouvert les naissances, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai 106 seniors. Et je n'ai plus de problème de chômage ni de sans-abri. Voilà, j'ai même trop de postes. Ce qui veut dire que j'ai trop de trucs de travail ouvert. Pour nourriture, je suis pas assez, assez bien. Ce bâtiment a été désactivé. On va laisser éteindre. Parce que lui, en fait, à la base, je suis censé refaire tout un système de vaporisateur d'eau ici, c'est pour ça. Ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que je pouvais rien faire encore. Voilà, c'est ça. Il est construit, mais je peux rien faire. Ça, c'est la fusée russe, ça, c'est ça. Ouais. On va augmenter un petit peu la vitesse. Production demande totale, je suis à 2,5. Ce qui veut dire que techniquement, je peux refaire un autre. J'ai pas assez de métaux, je suis au courant. Espace de stockage est plein. Donc là, j'ai trop de carburant ici. Je vais m'occuper de ça ici. Voilà. Tant que. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir ramener les. De toute façon, il reste combien là ici? 170. Voilà, ok. Donc là, il nous faut des métaux. Ouais, il nous faut 30 métaux. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de trouver s'il n'y a pas une colonie qui... Ou alors je vais en faire envoyer de la terre. Je vais envoyer des... De la terre. J'ai combien de financement? 1500. Je peux envoyer que 60. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ça te fait... Pièces détachées. Il faut des pièces détachées. Pièces détachées. Électronique. Okay. Mais elle en fout pas alors du coup. Okay. Bien verte ici, hein, la terre. Je suis à 28%. Augmentation de température nécessaire par son de liquide à la surface de Mars.
Je pense que je vais refaire une usine de gaz à effet de serre. Peut-être la refaire ici. Pour l'instant, j'ai pas de. Ouais, pour l'instant, j'ai pas de. De ressources donc. Puis là, avoir un problème, c'est que je manquais de ressources là. Donc, moi, je leur donne 60. Donc, eux, ils me donnent 50 machin. 50. Attends. Eux, moi, je leur donne 50 béton et ils me donnent 50... 66 machin? Ou c'est l'inverse? Ah, parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop. Research complete. Ok. Au niveau de la recherche, je suis comment? Il y avait là que ça n'allait pas ici, là c'est plein. Aucune nourriture n'a été consommée. Oh là là là. La place ici. Aucune nourriture était. Ouais, c'est ça. Hop. Comme ça, je vais pouvoir envoyer une. J'aurais décidé vraiment de récupérer des métaux quelque part. Parce que 60 métaux, je vais faire long feu. Hein. À commercer. Nous enverrons 50 polymères contre 86.
ils envoient de la nourriture. On va chez les Russes. Nous enverrons 50 polymères à l'échange de 86. Envoyez. Comme ça. On va récupérer un peu de... Sinon on va faire comme ça, hein, en pire des cas, si jamais on n'a pas de... Des polymères, j'en ai tout plein, moi. Donc, puis les polymères, on peut les faire venir de la Terre. En plus grande quantité. Et encore là aussi. Ça, j'en ai pas besoin, ça non plus. C'était fou de ça là. Alors maintenant, faut que je réfléchisse. Maintenant. Claude, non, il n'y a que des. En plus, il n'y a quasiment aucun. Il n'y en a quasiment plus, en plus des géologues. C'est une catastrophe. Tu vas me dire que j'ai pas que... 2, 4, 6, j'ai pas que 6 géologues, c'est pas possible. Non, j'en ai 11. Oh là là. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. J'ai les météorites, ils vont arriver. Yes. Le sol. Parce que maintenant c'est pas très... Sérieux, c'est... Oh putain. Ouais, le problème c'est que comme c'est plus grande colonie, automatiquement, il y a plus de chances que ça atteigne la colonie. Le polymère, 10 métaux, ça. Meteor incoming. En automatisé. Merde! Oh, quel con! Oh! Voilà. On récupère un peu de machin comme ça. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. This is Free Earth Radio 106.7 FM, playing the songs that will take you from wherever. Est-ce que je peux renvoyer un truc? Plus beaucoup de projets, mais puis là, ouais. Non, bah il va renvoyer, il va partir sur Terre.
En plus, j'ai même plus de métaux rares. Allez hop, repart. Voilà. Ah, il est construit. Alors. Parce que soit je laisse ça et je mets pas de réseau de drone. Parce que ça pourrait être une bonne solution. Avec un axiom et un vaporisateur d'eau. Hein. Soit il n'y avait pas besoin de plus. Hein. Ouais. On va faire ça. Vaporisateur d'humidité. Un oxym. Voilà. Comme ça. 6. Ah merde, je peux pas le réparer. Ah merde, il faut que je prenne en urgence un truc. Il me faut un... Putain, heureusement que je l'ai vu. Puis j'en surface 22. 35. Oh, une anomalie. Oh putain, j'ai encore un truc qui va péter ici. On se dépêche. Ouais, beaucoup, c'est beaucoup des polymères au final. C'est chiant qu'ils font pas des genres de tuyaux souterrains. Voilà, ça c'est vraiment trop de réparer. Toujours pas d'eau parce que forcément il y a encore une rupture ici. Je parie qu'il y a une rupture là-haut sur la route. Aucune. Bâtiment détruit. C'est pas trop grave.
colon mort. Il est mort. Déshydratation. Ah merde. Qu'on sait que j'ai pas d'eau. Ah, elle est là, l'eau. Alors, pourquoi il répare pas? Allez, on se pêche. Ouais, c'était pas une très bonne idée, Météor. C'était pas une si bonne idée que ça au final. C'était pas une si bonne idée que ça au final. On s'est en train de réparer le. C'est bon, ça y est? C'est bon. C'était pas une si bonne idée que ça. Ah, il n'y a pas d'eau. Ouais, il n'y a surtout pas de. Cité du bâtiment, moi, 18. Santé faible, santé faible. Ah ouais, mais j'ai pas assez de personnes. Alors, celle-là, c'est le problème inverse de la début de. Il y a quelques parties. C'est que j'ai pas assez de gens. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer des dômes, hein, si ça continue comme ça. On va fermer des dômes, hein, si ça continue, hein. J'en suis là. Hein. Et en fait, là, j'ai plus beaucoup de personnes qui travaillent. Hein. Le problème, il est là. Hein. Ça, il n'y a plus rien. Ça va l'éteindre. Coûtera moins cher en flotte. Eau insuffisante. Oh là 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 là. Oh ouais, c'était une très mauvaise idée, les météores. Le revers, il a failli passer, là. Wow! Le revers, il a failli passer. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai plus assez d'eau ici? D'avoir une coupure quelque part. Soit il y a une coupure quelque part, soit j'ai... C'est un gisement qui est... Ce qui tombera de quelque part, à mon avis. Ah oui, c'est là que c'est coupé. Voilà. Hop. Bon, j'ai récupéré des métaux, mais bon. En fait, ils ont été localisés sur principalement sur le sur la colonie, c'est pour ça que c'était n'importe quoi. Bon, je vais changer de tactique pour la prochaine fois. Je vais faire des fusées. Voilà, donc lui on va le laisser
Hop, pour l'instant. Donc là, lui, il est construit. On va mettre ça en pause. Hop. Voilà. Quitte à ce qu'ils usent, autant qu'ils s'usent quand il y aura besoin. Hop. Du coup, forcément, il n'y a plus avoir de nourriture nulle part. Bon. Au moins, on a récupéré des matériaux. Des métaux, ce qu'il faut se dire. On aurait perdu quelques colons en route, mais bon. Là, je suis en train de me tâter de faire revenir une fusée de la Terre. Est-ce que c'est vraiment utile, sachant que les enfants... Là, j'ai 3. Parce que qu'est-ce qui me manque comme spécialiste? Demandez, il me manque des ingénieurs, des docteurs, des scientifiques. Je sais pas. Herbe durable, faut avoir 20%. Là, faut que je monte l'eau. Faut que je monte l'eau. C'est le plus urgent. Monter l'eau. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer une fusée de la Terre. Parce qu'il me faut une fusée. Déjà, ça c'est sûr. Il me faut une fusée sur place. À faire ça, nourriture béton, moi c'est quelqu'un veut le faire, ils font et en deuxième notre plateforme de commerce ok. Ok. Accepté. Moi, ouais, c'est moi du béton, j'en ai 40 000. Alors, si je peux avoir de la nourriture en rab, ça me va. Je suis que 2,8%. C'est pas assez. Comme ça ici. Zone de plantation. On va refaire une ici, ça, non? Non. Terraformation, site de boss. Rien n'a pas envie de ça. On va mettre un lot. Je vais connecter au truc, c'est pas ça qui va faire que...
Hop, voilà. Pourquoi j'ai encore une rupture de flotte? Plusieurs cas sur un temps, une orbite signalée de l'ancien pilotage guidé. Les prend du bras. En vrai, je m'en cogne. Franchement, si on peut récupérer un peu de matos. C'est quoi qu'elle avait dedans ici? Un sac électronique. On s'en cogne. Franchement, je m'en cogne. Oui. Oh putain, c'était l'inverse. Chargement des ressources commerciales. Ah, attends. Non, c'est ce que nous on lui envoie, donc c'est bon, j'ai eu peur. Hop. En vrai, je peux pas passer sur des ressources. Hein. Bon, où est-ce qu'on a beaucoup de carburant? Ici. Je suis 12,73, 0,8 par sol. Ça fait 0,8 par sol. Et là, on est à 0, 0, ouais, pas beaucoup quoi. 0,01 par sol, sans déconner. Végétation, ça va être le plus dur, je crois. Le problème, c'est que j'ai pas cette graine. Tandis que là, les graines elles vont y aller, là, du coup. Ah, c'est normal, les graines elles sont produites ici. Enfin, elles étaient produites ici parce que visiblement il y en a plus. Par contre, pourquoi est-ce que je perds de l'eau encore? Je comprends pas. Un truc de flotte qui doit être un grand lac. Il doit y avoir une rupture de flotte quelque part. Pourquoi est-ce que je perds de l'eau comme ça? Ouais, je suis à zéro maintenant. En fait, c'est... Orokis 10. Ah, je peux rien faire, parce que j'ai rien mis. Donc là, ici, on va s'occuper de ça maintenant. Donc, lui, il veut 5. Donc, vaporisateur d'eau. Comment je fais vaporisateur d'eau? Bâtiment de production, 1. Donc, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5. Non, celui-là on va l'enlever.
là ici, il va falloir que je... Voilà. Hop. Voilà. Ça va durer 3 secondes. La coupure. Voilà. Alors là... production demande 25, il me faut encore un. Voilà. Et je serai à 5. Et voilà. Normalement, on voit là qu'il va pouvoir se remplir. Surveiller ça de plus près. Et voilà. Production 2, 3,2. Ouais. C'est pas fini de faire les polymères. Alors là, fusée, on va la faire venir ici. Hop. Il faut 5,2. Parfait. Voilà. Là, tant que j'ai pas de... Là, il faut 10% de... Il faut... Combien il faut? 5% de eau et 10% de température? Oh, bah, je vais pouvoir le faire, alors, du coup. 5% d'eau. Ça devrait être fait avant la fin de la vidéo. Sur 53 colons. Ouais, c'est pareil, ici, il doit y avoir beaucoup, beaucoup moins de... Ouais, j'allais dire, il y a beaucoup moins de trucs, ici. Hop. On va détruire 2. Faut même en détruire 3. Hop. C'est de la... C'est de la maintenance inutile, ça. Ça, c'est pareil. En fait, le dôme-là, je vais pouvoir l'enlever. C'est de la maintenance inutile, tout ce qu'il y a dedans. École, il y a personne dans le dôme. Il y a personne dans le dôme. C'est de la maintenance inutile. Je suis sûr, les gens n'habitent même pas dans le dôme. Dôme, Amanda. Ah si. Hop. Là, c'est... Par contre, là, il... ouais, là, c'est pareil. Hein. On va réduire le... Ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire les dômes. Parce que, comme ça, en réduisant les dômes, je vais réduire mon coût de maintenance. Donc, et donc, automatiquement, j'aurai moins de demandes de trucs, de ressources. Genre là, l'école, on va l'enlever aussi. Ça, c'est pareil.
Le petit bar, on va l'enlever. La crèche, on va l'enlever. De toute façon, c'est relié ici. Donc s'ils veulent avoir des... Ils iront là. Automatiquement. Mais je vais l'enlever, le dôme, là. De toute façon, ça sert à rien de le laisser. Et le ranch aussi, je vais l'enlever. La nourriture, j'en ferai ailleurs. Genre là, il y a trop place. Si je fais ça. Hop. Automatiquement, eux, ils vont aller travailler à côté. Voilà. Automatiquement, ils vont aller travailler à côté. Là, il y en a un qui va venir ici, je pense. On va resserrer les postes. Voilà. Là, c'est bon. Un restaurant. Hop, infirmerie pareil, on va l'enlever. Hop. Voilà. Parce que là, labo de recherche. Je sais pareil, il sert à rien celui-là de Dom. Il sert à rien. Ouais, ok. J'ai de la place ici. Ok. Ouais, c'est vrai, il faut que j'ai de la place, il faut que j'ai des logements de libre. Si j'ai pas de logement de libre, ça marchera pas. Hop. Il y a tout est libre ici. Voilà. Simplement. Complexe d'habitation, là il y a une crèche. C'est ce dôme là, il sert à rien ce dôme là. Il sert à rien. C'est fou. Ça pour dire, il n'y a même plus d'ingénieur ici. Pour dire. Il n'y a même plus d'ingénieur. Parce que c'est pareil, là, ça commence à bien baisser hein, déjà. Hein. Je suis à 25 en consommation et en maintenance. Et là, le problème, c'est que j'ai plus de trucs nulle part. Vu que j'ai tout enlevé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais relocaliser les gens ici. On va faire ça. Ah non, là, il n'y a pas de place ici. Et où est-ce qu'ils travaillent tous ces gens-là? Petit bar d'espace, restaurant. Tout ça, c'est pour le... Ceux qui travaillent ici. Les habitations, donc là je peux pas mettre trop de personnes. Bon, je vais pas le mettre là. Le... C'est ici qu'il y a de la place. Ici il y a de la place. Hop, on va enlever ça. Hop, et là on va mettre. Il y a Institut Hawking. Je l'ai pas développé aussi. C'est où ça? Merci.
je l'ai pas. Je sais pas c'est où. Bon, bah, je sais pas où. Je ne trouve pas, j'ai pas où. Donc on va faire un petit truc comme ça, c'est pas grave. Hop. Parce qu'il faut quand même que je... Parce que du coup, c'est... le problème, c'est que mon bâtiment de recherche, il a fort baissé. Ça, je le construis là. Tous les chercheurs, je les fais venir ici, du coup. Ça vide le... Parce qu'eux, ils travaillent où, là? Ils travaillent ici. Ici, il y a de la place. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on va les faire venir travailler ici. Ça sert à rien de... Hop. Comme ça, automatiquement, les gens qui... Ça, je vais le shooter. Automatiquement, les gens qui travaillaient là... Puis moi, ça permettra de réduire ma consommation en eau. Surtout. C'est surtout ça, parce que ça coûte trop d'eau, ça. Voilà. Automatiquement, tous les gens qui étaient là, ici... Bah, ils vont bouger. Hop, ils vont se retrouver ici. Voilà, là, il risque d'avoir un petit problème de place maintenant. C'est vrai, il va orbiter ici. Alors, hop. Voilà, donc là, du coup, dans ce dôme-là, spécialisation scientifique. Docteur. Ok. Appliqué. Hop. Voilà. Ça, je pourrais supprimer le dôme ici. Donc ça, on supprime. Ça aussi. Attendre que les colons s'en aillent. Comment ça, botaniste, usine à drone? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Allez. Hop. Voilà. Hop. Mais non. Scientifique. Alors, on va commencer à mettre tout n'importe quoi dans les... Ça, c'est une école. On va suivre créer le jardin, on va mettre une crèche. Ce qui était à la base en plus, c'est ça le pire. Je crois que c'est ce qu'il y avait à la base, une crèche. Voilà, ça, ce dôme-là, on va le shooter. C'est quand même un... C'est quand même du gâchis, hein, parce que franchement... Ah, il y a des animaux dedans du coup. Comment je fais pour le détruire?
Ou alors je l'éteins, le temps de... Je sais pas. Adolescent. Comme ça, une école, terrain de jeu, une crèche, une crèche. Et si c'est des... Oh, c'est fou ça. D'attraction basse gravité. Usine à drone. Pourquoi il dit que l'usine à drone, pas de bâtiment? Ah! De toute façon, les drones, elle sert à rien. J'en ai assez des drones. On va l'acheter aussi, ça. Hop. On va couper le passage ici. Hop, voilà.